les garçons. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et Robin? Et papy? On espère que ça va bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. On joue à quoi aujourd'hui? Cerveau déglingo. Oui, c'est ça, cerveau déglingo. Qu'est-ce que c'est ce jeu bizarre, hein? C'est un jeu un petit peu dégoûtant. Un jeu étonnant, très rigolo et un peu dégoûtant. À mourir de rire. C'est bizarre ça. Alors expliquez-moi, ça consiste en quoi? Eh bien, c'est une tête qui a avalé un morceau de fromage, un œil, un rat, une chaussette puante, une dent carillée, un verre de terre, un cafard, un goûter, un pansement sale, un coton-tige avec cire d'oreille, une crotte, une araignée, une couche de bébé sale, un cerveau et des arêtes de poisson. Waouh! Et donc, il faut récupérer tout ça dans cette tête? Oui. Oui, dégoûtant. Et vous êtes d'accord pour jouer à ce jeu? Oui. C'est vrai? Swan aussi? Tu es partant? Oui. C'est un petit oui. J'aime bien, là, il fait son petit timide, son petit oui. Qui c'est qui a voulu jouer à ce jeu dégoûtant? Swan. Bah bien sûr. Vous êtes prêts à jouer à cerveau déglingo? Oui. Allez, c'est parti. On ouvre la boîte. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme chose horrible à l'intérieur de cette boîte? Oula, déjà il y a un monsieur. Oula, un gros monsieur. Une tête bizarre. Ah. Ça fait très peur. Oui. Et dedans il y a le sachet. Ça te fait déjà un drôle d'effet? Oui. Ah, ça sort par sa bouche là, ça va. Ah. C'est horrible. Bon, les copains et les copines, comme d'habitude, on ouvre le jeu, on installe tout, on lit la règle du jeu et on vous explique tout ça. Ça a l'air de vous plaire, les garçons, hein? Ça te va très bien, ce nouveau chapeau, Léo. Voici les cartes qui présentent les objets dégoûtants qu'on va retrouver dans la tête de cerveau des glingos. Donc, comme vous pouvez le constater, les copains et les copines, c'est effectivement des objets absolument horribles qu'on n'a pas forcément envie de toucher, surtout quand on ne peut pas voir ce dont il s'agit au départ. Oh, c'est immonde, vraiment immonde. Voici le premier objet. Alors là, on démarre très fort. Donc, qu'est-ce que c'est, les garçons? Du chocolat. Miam miam. Une crotte. Merci Swan, bien sûr, on démarre avec une crotte. Ça promet, ce jeu. Bon, je crois que c'était du chocolat, j'en ai mangé un petit bout. Ah bon. Et ça, c'est quoi? Une couche fine de pipi. Super, vraiment formidable. Et c'est ça qui a mangé. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Des arêtes. Un poisson pas en très bonne santé, en effet. Ça, c'est un ver de terre. Absolument, un lombric. C'est une chaussette puante. Chaussette puante, comme dans les Jelly Belly. Oh là là, horrible, hein? Ça, c'est du vomi de goûter. De mieux en mieux, vraiment. Miam miam. Absolument parfait. Un œil. Un œil charmant. On se croirait sur le bon temps d'Halloween. Et ça, qu'est-ce que c'est, hein? Un fromage qui sent mauvais. Oui, une espèce de roquefort là. C'est un cerveau. Oui, c'est peut-être le cerveau d'ailleurs du monsieur, non? Oui, je pense. Puisqu'on dit cerveau des glingos. Donc ça doit être son cerveau. Je pense que c'est ça. C'est une dent avec une carie. Absolument. Ça commence avec une belle dent, mais regardez bien. Toum, il y a une carie dessus. Oh là là. Ouh, charmant petit insecte. C'est un cafard. Un cafard. C'est un coton-tige avec de la cire d'oreille. Il y a beaucoup de cire d'oreille quand même, hein. C'est quelqu'un qui ne doit pas se laver les oreilles trop souvent là, hein. Un pansement. Absolument. Je pense que c'est d'ailleurs un pansement usagé, hein. Un pansement sale. C'est une araignée. Une belle araignée. Ouh, magnifique. Elle donne très envie de la rencontrer. C'est un rat. Oui, un rat. Un rat noir avec des yeux rouges. Ils l'ont bien choisi en plus, hein. Rat d'Halloween. Ce n'est pas le Rémi de Ratatouille, hein. C'est le rat d'Halloween, absolument. Celui qui fait le plus peur. Les garçons ont mis tous ces objets dégoûtants à l'intérieur du cerveau. Enfin, à l'intérieur de la tête de cerveau des glingos. Et c'est parti, il va falloir maintenant les récupérer. Alors, le jeu est très simple. Les garçons, vous allez piocher chacun une carte en même temps. Vous aurez donc chacun un objet à retrouver à l'intérieur du cerveau. Le premier qui retrouve son objet dit stop, par exemple. Et s'il a vraiment trouvé son objet, il remporte la carte. Et bien sûr, à la fin du jeu, le gagnant, c'est celui qui a le plus de cartes. Vous avez bien tout compris? Oui. Vous êtes prêts à jouer à cerveau des glingos? Oui. Et bien c'est parti. Allez, on pioche. Swan, tu pioches une carte. Et Néo, c'est ton tour.
Alors normalement on doit pas montrer la carte hein, mais bon c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Donc Swan tu dois retrouver le coton-tige, le rat, et Néo tu dois retrouver le rat. Allez-y les garçons, vous pouvez mettre la main, on ne regarde pas hein, pas de tricherie. Swan t'as trouvé l'entrée? Alors les garçons rentrent par l'oreille du bonhomme et ils doivent retrouver chacun leur objet. Alors bien sûr vous allez rencontrer en même temps le vomi, la couche pleine de pipi, la crotte. Tu me dégoûtes pas du tout hein. Ouais. Ah et ben voilà, ah, voilà. Ratata. Néo a retrouvé son rat et voilà. Alors petit cœur, t'avais pas trouvé toi? Oh mais c'est pas grave, c'est pas grave. On remet la carte du coton-tige sous la pioche puisque le coton-tige n'a pas été extrait de cerveau des glingos. Néo, tu conserves la carte, puis le rat aussi, si tu veux. Voilà, en animal de compagnie. Et c'est parti, vous pouvez piocher une nouvelle carte pour un nouvel objet à retrouver. Allez, araignée, c'est facile. Swan, l'araignée, oui, c'est facile normalement. La crotte. Charmant, charmant. Vous êtes prêts tous les deux? Oui. 3, 2, 1, go. Allez, hop, hop, hop. Crotte, crotte. Ouais, vite. Crotte, crotte. Allez. Oh oui! C'est pas bon, c'est pas bon, Swan, c'est pas bon! Oh là là, oh là là, oh là là! Oh là là! C'est encore Néo! Néo a trouvé sa crotte en premier! Alors Swan! Bon, c'est pas grave, tu vas te rattraper, petit cœur! Regarde comme Néo est content d'avoir trouvé sa crotte! Oh, crotte! Oh, oh là là, c'est trop là! On pioche une troisième carte! Alors, qu'est-ce que tu as, Swan? Le vomi! Chose est plus horrible. Sale. La couche sale pour des gens. C'est honteux. C'est pas mieux non plus, hein. Vous êtes prêts? Oui. Allez, on met les mains. 3, 2, 1, c'est parti. Ouais. Oh là là, premier coup. Alors, Swan. Oh, Swan, il a trouvé quand même. Il a trouvé quand même. Allez, allez, on lui accorde, je pense, parce que vu le temps qu'il met pour trouver un objet. Allez, c'est bien, les garçons. Super. Vous avez chacun un objet formidable. On pioche une nouvelle carte? Une nouvelle carte. Allez, une nouvelle carte. Néo a déjà 3 cartes. Hein. Ah! La règle de poisson pour Néo. Et toi, Swan, c'est quoi? Le vert. Le vert, le vert de terre. Allez, on met les mains. C'est parti. Oh, allez. Où es-tu? Allez, allez. Merci. Le pauvre monsieur, quand même, vous lui mettez chacun une main dans le... Oh là, bravo, Swan. Le réveil de Swan. Ça y est, je suis attaquée. C'est bon, j'ai compris. Hop, hop, hop. C'est bien Swan. Néo, tu peux remettre l'arête sous la pioche. On pioche une nouvelle carte? Oui. Alors, Néo, qu'est-ce que tu as? Oh non, le il est cafard. Super. Et toi, oh, Swan? C'est oh, facile. L'œil. Il est tout rond. Mon ratule. Attention, pas de tricherie, Swan. Hein. Alors, alors? Oh non, c'est le pansement, c'est pas le cafard. Où est-il? Je cherche. Alors, normalement, quand on sort un objet, on n'a pas le droit de le remettre. Hein, mais bon, allez, on est sympa. On est sympa. Ah, ah, bravo, bravo. Oh là là, plus rapide que Swan. Alors, Swan, tu remets ta carte sous la pioche. Oh, mais c'est bien, mon cœur. Tu te défends bien, quand même. Ton âge, tu te défends bien. Alors, le cerveau. Le cerveau le pour fromage. Swan. Le fromage qui sent mauvais. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Où est-il? Allez hop hop hop, on se dépêche, on se dépêche. Allez. Alors qui va trouver en premier? Gagné. Oh bravo Swan. Bravo. Super rapide cette fois-ci. Et Néo malheureusement tu n'as pas eu le fromage. Donc 4 cartes pour Néo, 3 cartes pour Swan. Néo est toujours en tête. Serré. C'est serré, c'est vrai. Tu as raison, c'est serré. Allez. Allez, nouvelle carte. Oh non, le pansement. Le pansement pour Néo, c'est quoi, on voit pas? Oh, la dent carrière. Bon, c'est une grosse dent, hein. Ça doit être facile. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Go. Facile. Oh non. Il faut la sortir maintenant. Non. Oh, bravo. Bravo, Swan. T'as eu la dent carrière. Allez, on remet le pansement sous la pioche. On est égalité. Absolument. Voilà, 4 égalité. Cartes chacun. Bravo, les garçons. Allez, en gros. Oh non, pas la chaussette. La chaussette, c'est sur la cire. Néo. Encore. Le coton-tige avec de la cire pour Swan. Allez, go. Là, c'est des objets bon. Du tu... oh oh. Allez, c'est bon. On va dire que c'est bon. Tout le monde est bon. C'est bien, c'est bien. Vous avez 5 objets chacun. C'est ultra serré. Ce pauvre monsieur, vous lui faites subir le pire quand même. Hein. Oui, là. Nouvelle carte. Nouvelle carte. L'araignée. L'araignée pour Néo. Et toi, Swan?
La reine de poisson. Oh. Ça veut dire qu'on a déjà fait un tour. Ouais. Vous êtes prêts? Oui. Go. Alors. Arrête de poisson contre araignée, c'est un petit peu ressemblant quand même au niveau de toucher. Super. Ah, Swan, tu l'as aidé du coup, tu l'as aidé. Tu lui as dit que tu avais trouvé l'araignée, il est allé jusqu'à toi, il a trouvé l'araignée. Et voilà. Tu n'aurais pas dû lui dire, petit cœur. Ça fait donc 6 cartes pour Néo et 5 cartes pour Swan. On remet la reine de poisson sous la pioche. Vous êtes prêts? Prêt. Allez, on pioche. L'œil. L'œil pour Néo et Swan. Fromage. Le fromage qui s'en va. Il reste presque plus rien. Go. Allez. Oh, c'est bon. Oh là là, bravo. Bravo. Alors on remet le fromage sous la pioche aussi. Néo est en train de prendre l'avantage. Swan, il faut vraiment que tu sois super rapide. Hein. Prépare-toi. Allez, on pioche. C'est Swan qui l'a. Alors c'est quoi? Le pansement pour Swan, l'arête de poisson pour Néo. Allez. Wow, Néo, bravo. Bravo, tu as trouvé l'arête de poisson. Et Swan, non, tu n'as pas trouvé le pansement. Alors on remet le pansement dessous. Alors la suspense, il doit rester deux cartes. Hop, Swan pioche le premier. Je laisse celle-là parce que c'est le plus simple qu'on parle. C'est quoi? Fromage. Le fromage qui sent mauvais. Et toi, Néo, tu as le pansement. Alors là, attention, c'est l'ultime moment. Vous êtes prêts? Oui. Attention, mets les mains, c'est parti. Allez. Oui, c'est bien, Swan. C'est bien. Allez, Néo a eu son pansement aussi, forcément. Alors, on a combien d'objets? Je pense que c'est Néo. Du coup, tu as 9 objets. 6, 7, 8, 9. Oui. Et Swan, tu as 6 objets, mais tu t'es bien défendu, petit cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien. Mais c'est bien pour ton âge. Attends, c'est très bien. Non, c'est très bien. Et bien voilà, c'est une victoire de Néo. Et voilà. Alors Néo, tu as donc trouvé un rat. Une crotte. Une couche, oui. Un cafard, une chaussette puante, araignée, œil, arête de poisson et un pansement sale. Waouh, formidable. Bon appétit, maintenant je vais pouvoir tous les manger. Et toi Swan, t'as trouvé quoi alors? Fromage qui sont mauvais, vomi goûté, cerveau, coton. Coton-tige. Avec de la reste d'oreille, je sais. De la cire d'oreille, du reste d'oreille. La cire d'oreille. Dents avec carie. Oui. Et verre. Et verre de terre. Attends, laisse-les-moi. Non. En échange, je veux bien te donner la crotte. Verre. C'est quoi ces échanges horribles? C'est immonde. Alors les garçons, ce jeu cerveau déglingo, c'est comment? C'est trop bien. Ultra méga bien. Pas trop dégoûtant quand même? Oui. C'est ce qui fait le charme du jeu en fait. Je vous mets encore de l'appétit. Vraiment. Les copains et les copines, est-ce que vous avez déjà touché l'un de ces objets dégoûtants en vrai? Dites-le dans les commentaires. Pensez au bisous. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt les copains et les copines. Bye bye. A bientôt les copains et les copines. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager. On vous fait plein de gros bisous. On vous adore. Bye bye tout le monde. Bye bye. Oh non, ça c'est pas possible.